Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Joyeuse Ugadi, à tous ceux qui connaissent et aux autres aussi, c'est Chandramana Ugadi aujourd'hui, ce qui veut dire que selon le calendrier lunaire, c'est le jour de l'an. Les Télégous et les gens du Karnataka, j'espère que vous avez eu au moins vos fleurs de Nîmes et votre Jaggery aujourd'hui. Eh bien, c'est une tradition pour démarrer le nouvel an, une tradition très sage, où l'on mélange des fleurs de Nîmes et du Jaggery, un peu plus de Jaggery, pas en proportion égale. C'est censé être en proportion égale, mais petit à petit, les gens sont allés vers un peu plus de douceur. Ils ont choisi d'aller dans cette direction. Et ce matin, la première chose que vous auriez faite, c'est de manger ça. Mais vous mangez des boules de Nîmes tous les jours, donc ça n'a pas d'importance pour vous. L'idée, c'est que pour l'année qui vient, on ne demande pas que des bonnes choses, que des choses douces. On les mélange au moins en proportion égale, parce que ce que l'on considère amer n'est pas nécessairement mal, ni mauvais. Tout le monde sait aujourd'hui que le nîmes n'est pas mauvais, c'est amer. La plupart des choses amères dans votre vie, ou que vous pensez être amères, c'est essentiellement parce qu'à chaque fois que la vie essaie de vous pousser vers une plus grande possibilité, vous résistez. Donc ça devient amer. Quelque chose de nouveau arrive, les gens souffrent. En ce moment, c'est le corona. Eh bien, c'est là. Mais ça nous a donné la possibilité de nous retirer et d'être avec nous-mêmes. On peut faire toute une dissertation sur... Ils n'entendent pas bien. Je crois que... l'audio ne passe pas très bien, s'il vous plaît. Donc, on peut toujours parler des impacts négatifs sur l'économie et de la façon dont nos vies vont être. Au pire, je dis au pire, nos vies pourraient devenir comme elles étaient il y a 10 ans. Au pire. Ou peut-être qu'elles vont regresser de quelques mois ou un an, en termes de possibilités économiques, de confort, d'équipement. Nous pourrions régresser, c'est possible, si ça se déchaîne dans le monde entier. Mais on a déjà vu certaines nations gérer cela de façon responsable et systématique. Ils ont réussi à faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Ici en Inde, on l'écrase plutôt durement si tout le monde coopère et se comporte de façon responsable. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça, mais à coup sûr, il y aura des pertes dans les vies de tout le monde, qui que vous soyez, riche, pauvre, classe moyenne, tout le monde.
Mais ces moineaux, comme vous l'entendez, ils ont l'air très heureux. Je suis sûr que beaucoup d'autres créatures sont très heureuses. Les gens m'envoient des vidéos de dauphins qui sont arrivés sur la côte à Mumbai, de ceci, de cela. Eh bien, c'est très possible parce que l'empreinte humaine n'est pas forte pendant ces 3 semaines de confinement. Je suis sûr que les autres créatures vont profiter de la planète un peu plus, ce qui est bien aussi. Et peut-être que ces 3 semaines d'entraînement vont rendre les gens... Au début, ils trouvent ça difficile, mais peut-être qu'ils vont apprendre à prendre du recul et à profiter de leur vie, simplement en fermant les yeux. Beaucoup de bonnes choses sont possibles. Donc ce que je dis, c'est que vous ne considérez qu'une chose est amère que du fait de votre résistance. Autrement, l'amertume aussi est bonne. Donc la sagesse de cette tradition, c'est qu'un jour de nouvel an, on ne mange pas que des sucreries. On mange de l'amer et du sucré en proportion égale, parce que l'on comprend que la vie est faite de nombreuses possibilités. Si vous n'acceptez pas ce que vous pensez être amer, alors vous allez exclure toutes les possibilités de la vie et ne rester qu'avec ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, c'est Ugadi, en particulier pour tous les gens du Karnataka et les Telugu. Je pense que dans la culture tamoule, le jour du Nouvel An tombe quelques jours plus tard. Ce jour du Nouvel An est en partie lié et tombe aux alentours de l'équinoxe de printemps. Cela veut dire que la position du Soleil vis-à-vis de l'hémisphère nord, en particulier au niveau des tropiques, change considérablement, et c'est l'époque où la lumière du Soleil est à son apogée. Lumière du soleil à son apogée veut dire que la vie devrait être à son apogée. Mais malheureusement, comme nous avons ravagé la planète, comme il n'y a pas d'ombre nulle part et que l'eau est en gros un problème, s'il y a davantage de soleil, tout un tas de gens sont terrifiés. Ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi le 22 mars pour la journée mondiale de l'eau. Ce que la plupart des gens cette année ont oublié parce que tout le monde est sur la journée mondiale du corona. Le 22 mars était la journée mondiale de l'eau, et le 23, la conférence sur les sols, l'eau et le changement climatique était censée se tenir ici. Elle est maintenant indéfiniment repoussée. Eh bien, après Ugadi, en général, il pleut, il va pleuvoir une ou deux fois, il va y avoir une ou deux averses dans les prochains jours. Mais c'est aussi le début de la crise de l'eau, parce qu'il commence à faire plus chaud, et les besoins en eau augmentent, mais la disponibilité de l'eau diminue. Eh bien, avec ce corona, la crise de l'eau peut être assez dramatique. Elle pourrait forcer les gens à sortir de leur maison et à faire des choses désespérées. S'il n'y a plus d'eau dans le robinet, ce qui peut avoir lieu dans beaucoup d'endroits en Inde du Sud, eh bien, ils vont sortir et personne ne peut les en empêcher. Vous ne pouvez pas les forcer à rester à l'intérieur quand il n'y a pas d'eau. Il y a des chances que cela arrive. Il y a des plans d'urgence qui sont en cours d'élaboration, je crois. Mais dans quelle mesure on peut arriver à fournir une population aussi importante? La question se pose toujours. Donc quoi qu'il en soit, c'est le début de l'année selon le calendrier lunaire. Cette année, je crois que habituellement, pour Ugadi, les gens se rendent visite et c'est une grande fête en Inde du Sud. C'est l'un des festivals les plus importants. Je crois que les temples sont tous fermés, les communautés ne peuvent pas se retrouver, les familles ne peuvent pas se retrouver. En ce moment, les gens restent en retrait. Et peut-être qu'ils n'ont même pas eu de fleurs de Nîmes, du jaggery, je suis sûr qu'ils en avaient chez eux. Mais peut-être qu'ils n'ont pas pu se procurer de fleurs de Nîmes. Je comprends leur détresse. Mais
Le symbole le plus important lorsqu'on consomme des fleurs de Nîmes, le premier de l'an, c'est que l'on va être capable de gérer tout ce qui se présente à nous, nous rendre de telle manière que nous ne sommes pas victimes de ce qui se présente à nous. Quoi qu'il se présente, nous allons en tirer le maximum. C'est ça le truc, avec la vie. Donc en ce moment, c'est un virus, demain ça peut être un dinosaure, qui sait? Quoi qu'il arrive, comment en tirer le maximum, parce que un an qui passe, ou un nouvel an, veut dire que le temps file. Le temps file veut dire que notre vie touche à sa fin. C'est ce que ça veut dire. La plupart des gens fêtent leur nouvel an et leur anniversaire sans comprendre, sans être conscient qu'en réalité, ce sont des repères pour vous faire comprendre que votre vie touche à sa fin. Vous devez vous mettre un peu plus dans l'urgence en ce qui concerne ce que c'est que vous voulez faire avec cette vie. Tout le monde doit se mettre un peu plus dans l'urgence. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une année a passé. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une année a passé. Ça veut dire que vous devez vous mettre un peu plus dans l'urgence. C'est un rappel. Et maintenant, étant seul, étant avec vous-même, vous savez, quand on fait les programmes de Samyama et les programmes intensifs, on vous demande d'être en silence, d'être seul avec vous-même. Le gouvernement indien le fait pour vous. Nous sommes une nation très spirituelle. Eh bien, ça a lieu dans le monde entier. La plupart des nations sont en confinement pour 7 jours, 15 jours, 21 jours, peu importe. Je pense qu'il n'arrive que par étapes. Le confinement va probablement durer bien plus longtemps. Il y a aussi un espoir et une croyance, on n'en est pas sûr. Mais la plupart des gens espèrent, et c'est possible, que la capacité du virus à se transmettre pourrait diminuer avec l'augmentation des températures, avec l'évolution de la position du soleil par rapport à la planète. Sa capacité à se transmettre pourrait diminuer. Par-dessus tout, avec une énergie solaire renforcée, nos corps vont fonctionner avec un peu plus de zeste. Donc, nos systèmes immunitaires fonctionnent à coup sûr mieux. Donc, on pourrait traverser cet épisode de Corona de façon bien plus douce que ce que certaines nations connaissent malheureusement. Vous savez, les gens m'envoient toutes sortes de messages. Quelqu'un que l'on connaît très bien, une famille de bénévoles de New York, ils ont raconté que ces 10 derniers jours, quelqu'un au bureau a été testé positif. Mais maintenant, tous les quatre, toute la famille, deux sont des jeunes garçons, peut-être de 16 et 13 ans ou quelque chose comme ça. Tous les quatre sont passés par tous les symptômes, de façon légère, ont eu des difficultés respiratoires, mais ils ne sont pas allés à l'hôpital, ils ont pris soin d'eux-mêmes à la maison. Maintenant, 10 jours plus tard, c'est le 11e ou 12e jour, ils disent qu'ils se sentent bien et qu'ils vont bien. Ils n'ont plus de fièvre, ils n'ont plus de difficultés respiratoires, ils ont une petite toux, mais ils s'en remettent, d'eux-mêmes. Donc, c'est ce qui pourrait se passer. Nous sommes définitivement sous l'influence du soleil. Nos systèmes immunitaires pourraient mieux fonctionner. Si cela arrive, le confinement de 21 jours pourrait fonctionner. Mais si le virus devient plus intelligent, qui sait? S'ils sont arrivés avec leur propre système de climatisation ou autre, qui sait? Qui sait quelles astuces ils ont? La création a tout un tas d'astuces. S'ils parviennent à continuer pareil, alors 21 jours ne seront peut-être pas suffisants. Il faudra peut-être les prolonger davantage.
Donc c'est un été spirituel, c'est tout ce que je dis. Une longue retraite, où que vous soyez. Donc dans ce contexte, je pensais que la semaine prochaine, pour les méditants, ceux qui ont fait ingénierie intérieure et qui au moins pratiquent Shambhavi Mahamudra, si vous pratiquez au moins ça, alors on envisage d'organiser un événement du type Lap of the Master en ligne, peut-être une demi-journée. Donc, pour cela, j'aimerais voir combien d'entre vous, dans différentes parties du monde, sont intéressés pour investir au moins 5 heures de temps, du temps engagé. Ce n'est pas que vous allumez votre ordinateur ou votre téléphone et faites les 100 pas en parlant et en écoutant, non. Si vous êtes prêt à vous asseoir seul dans une pièce, connecté, et que pendant 5 heures, vous êtes entièrement dédié à cela, on pourrait voir comment mener un processus qui sera à coup sûr utile. Je ne pense pas au corona, je pense à vous. Maintenant, je sais que les gens vont m'attaquer pour ça, mais maintenant, vous êtes devenu un chercheur spirituel captif. Le rêve d'un gourou. Donc, rester en bonne santé et en sécurité est très important. Mais faisons un usage de cette période, du mieux possible. Donc, ceux d'entre vous, où que vous soyez dans le monde, si vous vous inscrivez et vous engagez pour un minimum de 5 heures, nous allons fixer une date la semaine prochaine pour avoir une session de 5 heures durant laquelle nous allons vous guider à travers certaines choses. Mais c'est seulement pour ceux d'entre vous qui ont déjà au moins Shambhavi Mahamudra actif dans leur vie. Autrement, ne le faites pas. C'est important, parce que autrement, je vais être limité quant à ce que je peux faire et ne pas faire. J'entends le chant Yoga Yoga. Eh bien, le chant est dans tous les haut-parleurs du centre. Vous devez écouter la façon dont il est chanté, mais j'entends beaucoup d'entre vous qui chantent en marchant ou assis ici ou là. Ceux d'entre vous qui sont ailleurs, je ne sais pas comment vous le faites. Je remarque que chez beaucoup d'entre vous, le mantra est uniquement dans la bouche. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le mantra est conçu de telle façon, si vous le prononcez, naturellement la réverbération démarre de la base de votre ventre, c'est très important. C'est votre Manipuraka. C'est là que se trouve votre centre de maintenance. Et en ce moment, comme tout tourne autour du virus, activer votre Manipura, qui est le centre de maintenance, est très important. Donc, lorsque vous prononcez le mantra, à moins que vous ne commenciez à chanter de façon très machinale, pas de façon consciente, le mantra part naturellement de la base du ventre. Vous chantez machinalement parce que vous le connaissez, et blablabla. Ça pourrait être des insultes, pourquoi un mantra ? Mais je pense que quand on insulte quelqu'un, ça vient pile de là. Je ne pense pas que quiconque soit capable d'insulter comme ça. Quand vous insultez, ça vient de là, donc faites le mantra comme si c'était des insultes. C'est-à-dire que vous êtes impliqué. Le mantra, les sons sont géométriquement conçus de telle façon que naturellement, ils touchent les points les plus profonds en vous. Alors seulement, il vous énergise. Alors seulement, il active votre samadprana. Si vous commencez à chanter le mantra, si je dis ça, comme nous sommes sur une plateforme en ligne, certaines personnes vont devenir folles, mais laissons-les faire.
vous verrez que vous allez commencer à transpirer à certains endroits du corps. J'insiste là-dessus. Vous allez commencer à transpirer à certains endroits du corps. Eh bien, c'est l'été, peut-être que vous transpirez en permanence, c'est autre chose. Mais vous allez voir que vous allez commencer à transpirer à certains endroits du corps si vous le faites intensément. Et il est important que vous le remarquiez. Je n'ai pas besoin de vous dire où vous allez transpirer, mais vous allez remarquer que certaines parties du corps vont transpirer davantage que le reste du corps, qui transpire peut-être à cause de la température atmosphérique. Quoi qu'il en soit, si vous chantez pour 10 à 15 minutes, vous devez... Vos vêtements au moins doivent être humides, dans une certaine mesure, avec ce temps. Autrement, vous devez transpirer un peu. S'il fait froid, il doit y avoir un peu de transpiration quelque part dans votre système. Cela va se produire de façon naturelle. Donc s'il vous plaît, soyez-en conscient lorsque vous chantez le mantra. Nous allons le faire maintenant. Et lorsque vous le faites, comme je viens juste de vous rappeler que, vous savez, une année de plus est passée et que la vie raccourcit, vous n'avez pas à vous presser, parce que je vois des gens qui essaient d'être de plus en plus rapides. C'est l'idée. C'est l'enseignement du virus. Ralentissez. Une machine qui tourne lentement, mais fonctionne de façon optimale, est une bonne machine. Une machine qui est hyperactive va s'épuiser. Elle tourne tranquillement, et pourtant, en bas régime, elle fonctionne de façon optimale. C'est ce qu'il faut. Donc, ne vous emballez pas avec le mantra. Il y a un rythme que nous avons fixé, suivez-le simplement. Où que vous soyez, si vous pouvez vous asseoir, avec Yoga Mudra, les yeux fermés, le visage légèrement tourné vers le haut. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuta. Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuta. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya, Shambho, Shambho, Maha.
Shambha Mahadeva.
Restez assis immobile. Restez simplement assis immobile, sans bouger. Restez assis immobile. Soyez simplement avec moi.
Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva Donc, lorsque vous prononcez le mantra, il est important qu'il vienne de votre manipura, ou plus profond. Au moins la dernière partie, lorsque vous dites Shambho, vous devez le dire comme si c'était la dernière chose que vous vouliez dire dans votre vie. Vous voulez tout faire sortir, c'est la dernière chose que vous allez faire, c'est comme ça que vous devez le dire. Et j'espère que ce sera aussi la dernière chose que vous direz dans votre vie. Quoi qu'il en soit, joyeuse Ugadi une fois de plus, et avec ce nettoyage et ce retrait, le virus gourou nous apprend, eh, pas moi. Le virus est devenu un gourou. Comment rester avec vous-même, être avec vous-même? Eh bien, trop de contacts sociaux sont une contagion de toute façon. Donc le virus vous donne une leçon. Peu importe à quel point une créature est petite, nous devons apprendre. C'est pourquoi cette culture, homme, femme, enfant, Dieu, vache, singe, parce que tous ont quelque chose à nous apprendre. Nous y voilà, à apprendre des micro-organismes. Merveilleux. Donc si vous êtes prêt à vous engager pour 5 heures, veuillez tous vous inscrire. S'il vous plaît, nous allons fixer une date.